Bonjour et bienvenue à la source de soi-même. Nous sommes aujourd'hui. Vous êtes dans l'opus numéro 51 de la série Ça coule de source, qui sont des messages reçus en canalisation, des inspirations inspirantes que je vous partage avec joie. J'ai décidé de ne plus mettre de date. Parce que, en fait, vous arriverez sur ce message quand ce sera le moment juste pour vous. Donc, je vous le dis parce que maintenant vous êtes dans la vidéo, mais il n'y en aura pas dans l'objet de la vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est le lundi 25 novembre 2019. Et j'ai posé, il y a quelques minutes, il y a une heure, la question concernant la nouvelle lune qui a lieu demain, mardi 26 novembre, vers 16h30, je crois, de Paris de Tanger. Et je suis très contente parce que demain, ce sera la sainte Delphine, c'est-à-dire c'est ma fête. Delphine n'étant pas une sainte qui a été martyrisée, mais une bienheureuse. Donc voilà, je suis ravie d'être une bienheureuse. Allons-y pour le message. Donc voici ma question. Vous pouvez prendre une grande inspiration, expiration. Quelles énergies éveillent cette nouvelle lune en Sagittaire du 26 novembre? Et voici la réponse de la source. Un frétillement. Tu peux ressentir qu'au cœur de chacune des cellules de ton corps, un frétillement prend naissance. T'es nu pour commencer. Puis, petit à petit, il s'amplifie. C'est la vie elle-même qui se réjouit d'avoir encore un tour de piste à effectuer, encore des jeux à partager, des expériences à vivre. La vie qui se réjouit de jouer à la vie, juste pour le plaisir du jeu et la surprise de ce qui se crée. L'énergie actuelle est comme un printemps à l'aube de l'hiver. Les bourgeons qui vont éclore au printemps prochain et recouvrir les arbres de guirlandes fraîches et colorées, ces bourgeons sont en préparation dès à présent. C'est parce que le bourgeon se présente que la feuille, qui arrive en fin de cycle, s'abandonne, se laisse aller à une nouvelle forme, une transmutation, retourne au tout. Il en va de même en chacun de vous. C'est parce que la vérité de qui vous êtes émerge, que ce que vous n'êtes pas, mais à quoi vous vous étiez jusqu'ici identifié, accepte de laisser la place. C'est parce que la vérité de qui vous êtes émerge que ce que vous n'êtes pas, mais à quoi vous vous étiez jusqu'ici identifié, accepte de laisser la place. Soyez en confiance. Laissez aller tout ce qui ne fonctionne plus, ne résonne plus, ne vibre plus joyeusement en vous. Quoi que cela soit, objet, relations, professions, habitudes de vie, croyances, logements, du plus important, entre guillemets, au plus insignifiant, entre guillemets, sentez, en toute honnêteté et simplicité, comment cela résonne en vous. Si cela frétille gaiement, si cela vous éclaire, excite votre curiosité, votre enthousiasme, vous inspire un tant soit peu,
c'est que cela est encore en syntonie avec vous et a toujours sa place dans votre vie aujourd'hui. Si cela vous alourdit, vous serre le ventre ou le cœur, vous bloque la respiration, vous oppresse, vous prend la tête, entre guillemets, c'est qu'il est temps de le remercier pour le chemin accompli ensemble, puis de le libérer, de le laisser aller. Aucun arbre n'a de sensation d'échec, de perte, de peur de ne pas y arriver ou du vide. Retrouvez vos racines. Sentez votre puissante connexion à Gaïa, votre chère terre-mère. Comme à la précieuse source infinie que je suis. En toute candeur et sérénité, soyez tel que vous êtes, là où vous êtes. Dépouillez du superflu, ouvrez grand les bras et le cœur, éveillez vos sens et faites bon accueil à votre merveilleuse authenticité retrouvée. Voilà les amis, bonne authenticité, bon retour chez vous, bon retour à la maison, prenez soin de vous, je vous envoie lumière, amour, paix, joie depuis Tanger, à très bientôt, namasté.